Attention, ça va commencer dans quelques instants. Nous allons appuyer sur les chrono. Les boutons zoom. Ouais, nous sommes bien zoom. 5, 4, c'est parti, monsieur. Oh, parti. Calme, l'arbitre. Oui, il y va. Très vif dans son coup de sifflet, mais c'est parfait. C'est bien, entre donc ces maillots jaunes, superbe, hein, ils sont venus, les Barcelonais, tout en jaune. Oui. Alors ça veut dire quoi, ça, Jacques? C'est peut-être une... Écoutez, qu'ils n'avaient pas d'autres maillots ce soir, ils n'avaient pas d'autres flocages, peut-être, pour une publicité, je ne sais plutôt... pas. Attention, avec Bombele qui est déjà là. Bombele, oh là, c'est à côté, heureusement que c'est à côté, parce que sinon, c'était very dangerous. Oh, 30 secondes, même pas de jeu, on aurait en prendre un. Les Barcelonais font une faute et c'est monsieur République qui signe un coup franc au bénéfice de Lyon sous les applaudissements du public. Et autre défenseur, hein, bien suivre, hein, côté défense, le Templier aussi qui résiste à tout. Le Templier. Sous les applaudissements du public. Là, bonne réponse, Jacques. C'est lui. Regardez, c'était ce flanc gauche bien sucré. Jacques est en train de se régaler, et tout seul, hein. Virtuellement, il est en train de se bouffer un flan bien sucré en regardant un match de foot à la télé. Bon, ça circule à nouveau, mais ce sont pour les Barcelonais avec Con Ramblas. Con Ramblas qui met derrière pour Tapas. Tapas est belle d'ailleurs. Tapas bien. Excusez-moi, des fois vous me faites rire. Bosse à bosse. Catalunya. Catalunya, pelota. Manolo Valls. Manolo Valls, también. También de Conante. De Conante. De Conante, la centro. El Templier. Belle défense des Templiers, hein, qui récupère le... Oh non, attention, Lionel. Il est tout seul, Lionel qui s'est fait... Oh oui, coup franc. Et un jaune. Un jaune. Oh là, mais il y a du jaune partout, oh là là. Du carton, du maillot. Oh. Le jaune est omniprésent sur l'écran. C'est vrai qu'en ce moment, le mouvement des gilets jaunes est un petit peu limite carton jaune. Dis donc, attends, Jacques, ça va pas changer d'adresse IP, alors. Passons sur le Darknet, parce que sinon, on va se faire péter la gueule. Écoutez, j'ai dit un petit peu... Ah, c'est le ballon, sur la droite. Ah, excusez-moi, hein, j'étais un petit peu absent parce que j'avais des problèmes. Hein, la liaison est bonne. Ah oui, c'est ça, avec les WC. Hein, en ce moment, la liaison est très bonne avec les WC. J'ai des problèmes gastriques, Jacques. Il faut que je vous en parle. Okay. On se voit tout à l'heure. Okay, c'est le bon goût, c'est le mauvais goût, ça y a des choses. Ah oui, j'ai Jacques, c'est le mauvais goût. Merci, Carl. Attention, Lyon attaque avec Lyon encore. Oui, oh, Bastos. Le Bastos qui lui a mis dans la gueule. Repoussé sur la barre. Repoussé et récupéré. Oh, le deuxième Bastos. Par le William Perrier. Perrier t'es fou. Oui. Oh, quelle frappe sublime et quelle parade non moins extraordinaire de la part de Ter Stegen. Les qualités de tireur de cette équipe lyonnaise sont à remarquer. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont étudié, Jacques. Ils se sont dit, on est bon frappeur, on ne rentrera pas dans la surface de réparation, donc autant tenter la chance de loin. Ne coupez pas, vous écoutez bien Sportage 880. Quelques petits problèmes techniques nous empêchent de retrouver le direct. Mais... Madame, c'est ça. Oui, c'est ça, madame. Nous allons retrouver le direct dans quelques instants. Lucas Terrier, lancé. Oui, mais vous savez, les générations changent. Oui, vous avez raison, monsieur. Et le son aussi qui change parfois, avec une tentative de grand pont, hein, très ambitieux de ce jeune Espagnol. Bombele, non, c'est Bombele. Ah, pardon, c'est le Frenchies. Bombele. Mais de dire que les générations changent, Jacques, c'est quand même... Oui, c'est ça. Il me semble que c'est normal. Ça commence à être un peu chaud, quand même. Hein. Là, ça va dans tous les, dans tous les coins du but. Dans toutes les surfaces de la surface, oui, on est quand même un peu sous pression du côté de Lyon. In Lyon, from Lyon. Good, les gars, good. Donc on a vu que Madame Andy Haynes. Sportage version karaoké. Yatero, toujours. Ah ouais, toujours. Mais est-ce que vraiment ça le vaut? Ah, c'est pas beau. Non, pas tout à fait, l'action est des... Eh les gars, comme vous voulez, vous faudrez jouer.
pour gagner, pour gagner, pour gagner, pour buter, pour gagner, pour buter, pour gagner, pour buter, pour gagner. Ligue des champions, nous là c'est vendu, ça vaut très cher, il faut maintenant qu'il y ait des buts. Ah, dodo. Doucement les gars, doucement, doucement. Vous écoutez les programmes bio de la Fondation Sportaz ce soir exceptionnellement pour vous de la brouche. Avec ce ballon remonté par Lyon sur le côté gauche, il n'aura pas, il était trop lent. Oh. Marguerite Duras et... Ah bon ? C'est vrai que c'était dramatique. J'aurais pu écrire ce mot, effectivement. Oh. Et on voit ça gentiment leur dit, le crochet qu'il lui fait... subir est terrible. Mais Lyon est là, pas loin, mais si peu près, que finalement, ce sera un dégagement. 19 minutes et 20 secondes de jeu dans ce Sportage 880. Du like. Ça accélère à nouveau pour les Espagnols. Ils sont très dangereux dans ces phases de jeu. Trop, non, on recule. Lyon recule à mort. Il devient trop dangereux, même si là, un tombe-bleu fait un peu n'importe quoi. Il va finir par se faire réprimander par le patron, hein. El Patron commence à en avoir marre de faire des allers-retours sans avoir le ballon dans le pied. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un problème dans la dernière passe. Ah, ça t'appasse pas, ça t'appasse pas. Faut croire que ça finit toujours par une impasse. T'appasse pas, t'appasse pas. Heureusement que j'ai pu écouter mon émission Sportas. T'appasse pas, t'appasse pas. Il me reste ça, un peu de classe. 0-0. Faut regarder en face. C'est pas beau. 0-0. Ça manque de classe. 0-0. Qu'est-ce qui se passe? 0-0. Tout est fugace. Oh, heureusement, il y a Sportas. Excusez-moi, non, pardon, parce que là vraiment, il faut en faire beaucoup pour que ça marche. Pour que ça marche. Et bon retour de la défense Lionel Richie, right. Il est là, Lionel Richie qui empêche effectivement Mario Suarez de prendre le pouvoir. Et Barça Laval. Alors bien sûr, on sait très bien que Messi n'est jamais aussi bon qu'à la part Dieu. Ils sont pas venus en train, Jacques. Non, mais ils manquent pas d'entrain. Ah, ouais. Ce soir. Alors, c'est là. Il est, oui, c'est vrai, effectivement, il a pris le bon wagon, visiblement. Ouais, ouais, ouais. Et ils sont là sur la gauche, les Barcelonais, prêts à nous enfiler la banderille. Ouais, Rasputnik. Attention! Attention, ils sont tous là, là, désormais. C'est plus deux ou trois qu'ils attaquent. Il y a 18. Ouh, oh là là. Il s'est fait lui, avec un très beau contrôle de la poitrine pour lui-même et un centre bien contré. Bien contré par. C'est Veolia, hein, visiblement. Il s'appelle Veolia. Et donc, on l'appellera comme ça. Veolia. Ah oui, mais belle défense. Belle défense, hein, même si on rigole de son sort. Il a fait l'effort. Ou la corner. Maladie. Pardon? Non, non, pas. Un petit corner. Peu, là. Un peu la crève quoi. Par à Barcelone avec El Patron. El Patron qui va le tirer, il sait où doit le mettre et il sait qu'il peut le mettre. Messi beaucoup. Ah oui, oui. Mais là personne ne s'était proposé au premier poteau. Et Lyon peut. Oh non, lui, non. Oh, ce qu'il a fait là, non. C'est non, pas bon. Non. Ah non, pareil. C'est pas. Non. Puis, non, il aurait pu en profiter pour faire remonter un peu le ballon, le livrer à ses partenaires et donner à ceci une chance de s'en défaire. Oh merde. C'est vrai, hein, ça manque de construction de jeu quand même côté lyonnais, il faut le dire, il manque fait cuire. Oui, il manque ça et on les. J'ai l'impression qu'ils les regardent un peu. Ils sont timides, ils ont peur. Il y a de ça. Ils ont très peur de Lionel. Ils ont peur de tout et finalement ils n'arrivent pas à se livrer, se libérer totalement ces jeunes lyonnais. Comme me disait Françoise Guy Jeanvert hier soir, libérons-nous, chérie. Ok, avec sur le côté gauche, le lyonnais en chef de la défense du milieu de terrain. Bien joué ce petit coup là. Avec Bocuse. Bocuse, pas mal pour Salif Keita. Quelle formation éclectique. Chiesa et pas Keita, Jacques. Est-ce que ça te tienne? C'était de la partie. Chiesa. Lacombe. Lacombe, le truc, comment il s'appelait Lacombe. Et c'est une touche au bénéfice de Lyon qui propose pour l'instant un petit jeu sympathique. Après 25 minutes de jeu de souffrance terrible.
et de supplice face à El Patron et son équipe féroce. On essaie de rapidement jouer cette touche pour les Lyonnais qui s'écartent loin de la défense. Oui, c'est un peu ça, oui. Première idée. Oui, oui, non, mais ils essayent effectivement voilà. Pour l'instant de conserver oui. Le ballon le plus longtemps problème. Possible. Éviter le problème tout de suite. Voilà, ça c'est bien, c'est bien. Et là, pourquoi pas ? Non, mais il oblige quand même le défenseur barcelonais à livrer ce ballon en touche. Finalement, Jacques, ne n'oublions pas, tout va bien. Oui, 0-0, le corner, le centre était foireux. Ah non, il n'était pas si fort que ça, foiré, puisqu'il oblige la défense à faire un effort. Jacques, non, vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Bon débordement. Et coup franc. Coup franc signalé par Monsieur République. Ouais. Alors là, pour les Lyonnais. Il était passé, il y a effet, il était passé et il l'oblige à faire la faute. Mais ce sera un bon coup franc au bénéfice de Lyon. Faute de Rasputnik. Non, Jacques, il n'est pas partout, même si c'est vrai qu'il tourne sur le match, mais il n'est pas dans toutes les surfaces. Corner ou petit corner. Allez. Avec Depay. John Tupai. John Tupai. Pai. Tu payes. Ouais, ils surveillent bien. Tête, ça sent le but. Tu sais que ça sent le but. Tête Ils sont bons là-dessus, Lyon. C'était bien placé, mais il y avait aussi la défense qui l'était aussi également. Ah bah, tout le monde est bien placé. Hein. C'est Jacques, on le travaille à l'entraînement. C'est quand même un métier footballeur. Ils n'arrivent pas de n'importe où. Genèse a cru que c'était la mi-temps. Hein, a... Non, 26. Est-ce qu'il se 26 à la mi-temps de jeu. Non, ça va pas. Préparation pour rentrer dans les. Dans les vestiaires, à la mi-temps, il y a une préparation, oui, il y a un geste technique. Non, je surveille un petit peu parce qu'on se met en danger du côté de Lyon. Excuse-moi, Jacques, mais je surveille un peu ce match. Allez, adorable Lyonnais sur le côté gauche, là, avec le général qui récupère le ballon, mais finalement, c'est une touche. Pour Tupai, non. Ah, quel général, qui Jacques va faire. Quel général, de j'ai quel général. Vu, j'ai vu un général, mais non, c'est un colonel. Attention quand même. Un extrait de votre texte, les. Tout est extrait de votre texte. C'était faux, excusez-moi. Il met quelque chose à distance qui. Bien sûr, madame, 8e de finale de Coupe de France. À distance. À distance. Ballon Lyon. Ouais, mais pas Zayon et pas. Hein, pas Faillon non plus, Jacques. Ah oui, elle était pas bonne celle-là, bravo. Grillé, Jackie. C'est la production. Grillé, Jackie. Alors, il y a une question, hein, mais elle était pas pour vous. Ça sifflait. Ouais, ça siffle à mort. Ouais, c'est terminé, il va dégager, ça en sera fini, bien évidemment. Coupé. Il est là, le docteur Stegen. Docteur Stegen. Qui va distribuer la pilule à tout le monde. 0-0, bien sûr, au cours de cette première période, mais il n'y a rien. 0-0. Pour l'instant, les Espagnols taquinent un peu le ballon, mais, mais ne tentent rien, bien sûr. Non, c'est ça, ils les écartent. Pour l'instant, ils sont en train d'essayer d'écarter, tu vois, de faire sortir le bloc lyonnais pour trouver des espaces à l'intérieur et ensuite lui faire mal. Lui faire mal et okay. Bobo. Et mais oui, là, ils se sont loupés. Never mind the block, c'est les Lyonnais qui ont récupéré ce ballon. Et qui sont beaucoup plus offensifs. Si, qu'il en veut. Ça, c'est un jeune qui en veut. C'est bon, ça, côté lyonnais. Voilà, confiance en eux. On s'est requinqué le mental. Exactement, ils ont confiance. Ils ont pris, je ne sais pas s'ils ont pris à la mi-temps, mais ça va beaucoup mieux. Ouais. Les intentions sont dans le ballon et pas ailleurs. Oui, ils sont plus spectateurs, Jacques. Ils sont acteurs désormais de leur partie. Je veux dire par là qu'ils influent effectivement sur le déroulement de l'acte qui se déroule en ce moment. Il faut se concentrer dans l'acte présent. C'est important. Oui, on est acte 15, hein, bientôt, les gars. Alors, celui-là, il est trop bon. L'acte 15, là, je l'attends. C'est une pièce extraordinaire. Hein. Rugby stick un peu. Oui. Là, nous ne sommes pas tout à fait sûrs, hein, soit du rugby, soit du stick. Près de 15 ans. 15 ans. Pas tout à fait, madame. Non, 15 fois, 15 samedi, mais pas 15 ans. Le ballon est dans les pieds des gilets jaunes sur la droite. Avec Rodriguez qui donne à Pitovski.
Le masseur, mais elle est expulsée. Oh, attention, Lionel. Oh, oh, le mauvais contrôle de Lionel. Jamais on avait vu ça. C'est que Gozy. Qui? Mon Gozy. Tant pis pour ce tir de pied droit, bien sûr. Et finalement, Lyon s'en sortira très bien en récupérant cette balle par le biais d'un coup franc. Ils sont un poil aux abois de temps en temps, mais finalement, ils sont pas si mal que ça. Et Jackie, la liaison est bonne? Pas tout ça. Enfin, est-ce que vous... Ah, ça me fait de livres, de documentaires. Ah, pute! Une chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Merde! Non, la liaison n'est pas bonne du tout. Et pourtant, c'est un CT, un personnage énigmatique. La liaison n'est pas bonne du tout, veuillez nous excuser. Jackie? Toujours 0-0, 49 minutes et 46, 7, 8 secondes de jeu, ça veut dire qu'on est presque à 50, Jacques. Oui. Oui, oui. Jacques, vous vous mettez sur le pas. Vous voulez que je me mette, vous? Le pas, terme. Soyez, maintenant, soyez clair. Quand j'ai encaissé, ce qui m'a frappé. Maintenant, dégagé par la défense lyonnaise. Nous n'y sommes plus. En février. Oui. 50 minutes, hein, 0-0. Les intentions lyonnaises en deuxième mi-temps nous ont rassurés avec ce niveau Ligue des Champions que nous cherchions en première période. Cherchions. Oui, peut-être aussi. Les deux sont valables. Maintenant, il faut voir dans quelle conjugaison ils se. Bien sûr, je renseigne bien. J'appelle au bled. Donc, ça a été reporté. L'appel a été reporté. Veuillez nous excuser. A tout de suite. Dermok. Pourquoi tu n'as pas l'appel? Alors, le ballon récupéré par Barcelone. Ça s'agite sur la pelouse, messieurs. Vous faites n'importe quoi. Hein, Barcelona, mi amore. Jacques est en train de le faire à la fois. Freddy, Mercury, Montserrat. Cavalier, c'est difficile. C'est mais vrai. Le ballon est là, dans les pieds d'El Barça. D'El Barça, de Montjuïc. Montjuïc. Il n'est pas. Attention à comment vous allez l'entendre. C'est Emmanuel Valls. Oh là là, ils sont trop nombreux là. Bomblé. Ouais, wow, c'est excentre, mais non. Mais c'est avec beaucoup de gluten, finalement. Ouais. Il est relâché, Bomblé. Non, pas Saran. Et attention à cette bonne balle pour Memphis. Memphis. Sur la route de Memphis. Ouais, et puis là, il était rapide sur cette route. C'est. Ici, un beau contrôle, malgré la police. Et Clion qui attaque sur le côté gauche. Oui. Et pendant ce temps-là, Barcelone a récupéré le ballon. 55 minutes de jeu bientôt. Autrement dit, nous avons déjà joué 10 minutes dans cette seconde période. Et nous n'avons toujours pas de fuite. Puig. Pas de fuite et pas de but. Casal. Puig. Jacques, vous allez être condamné pour apologie. Ah, je vous vois venir. Delpouch. Montjuïc. Il y a longtemps que vous êtes lancé. Ah, Chrono Speed n'existant plus, je vous propose Bitterim. Bitterim, c'est le rhythm of the match. La France du soleil sur la moitié sud, où le temps sera très doux. The rhythm of the match with the Mitchell, tout est mélangé, c'est le new, oh le bon ball, oh no. Pendant ce temps-là, Lyon s'en va vers peut-être un exploit. Oui, Lyon s'en... Non, mais sans la chose, tu as raison, Jean. Lyon s'envoie. Oh purée. Ça me le laisse sans... On va regarder ça. Oh yeah. Come on baby, I wanna watch it now. Wow, baby, watch it now. Oui, on peut jouer le glamour, Jacques, mais il n'y a toujours que 0-0. Ben, non, il faut rappeler ça à l'amateur de football. Le Lyonnais possède ce ballon enfin. Qui aime quand le filet tremble, tu sais. Là, pour l'instant, le filet a du mal à bouger. L'intervention de Monsieur République bénéfice d'un coup franc pour les Lyonnais. Là ça va chier, il sort le touch ball et là, c'est dangereux pour les joueurs. Attention. Ah, le flash goal, peut-être. Effectivement, pour calculer la vitesse du but. Ah, bonne petite occasion pour Lyon. Le stade saute en entier. Oui, il peut y avoir une ambiance absolument extraordinaire. Est-ce qu'on peut avoir, là, Jacques, le son de la vérité? Le son de la vérité. Oh non! Oh, c'est dommage. C'était le son de la vérité.
Jean-Louis, Jean-Louis derrière, tu t'excites. Jean-Louis, attention, parce que Barcelone monte, Jean-Louis. Mets-toi en défense, Jean-Louis. Barcelone, mais non, bonne lecture du jeu. Ouais, de Bob Marlou. Il sort comme un seul homme dans sa défense, mais là, Lionel, oh là là, tu vois le jeu à chaque fois. Oh, ça va faire mal, ça va faire bobo. Et depuis tout à l'heure, il y a ça, mais c'est un peu toujours quand même la même stratégie. Hein, côté espagnol, pour l'instant, ça ne passe pas. Il n'a pas tout à fait tort, Jacques. Ça ne surprend pas ces Lyonnais féroces derrière, prêts à tout pour repousser l'adversaire. Et Barcelone qui ne marque pas ce but. Eh bien, Barcelone qui ne marque pas ce but, Jacques se met en danger d'en prendre un, dans la possibilité, effectivement, de repartir. C'est avec une petite défaite. Un Lyon plus féroce. Deuxième mi-temps. Mission sociale. Ah, oui. Vous me faites rougir. Je suis trop admiratif des grands cinéastes. Moi aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Jean-Louis. Jean-Louis, qui a quand même ralenti des pères en fils, je vous le rappelle. C'est une grande carrière cinématographique en ralenti, monsieur. Oui, oui. Et Barcelone attaque au ralenti aussi, même si le coq s'en mêle un peu. On dirait que Barcelone attaque au ralenti. Ils sont tellement sûrs de pouvoir en marquer à n'importe quand que, regarde ça, ils font un peu tout et n'importe quoi. Heureusement, Lyon, chanceuse, bagarreuse, accrocheuse. Ouais. Moult chounesque. Pas mal. Moult chounesque avec Véranda. Ouais. Bien aéré. Ouais. Véranda. Voilà, il y a des espaces. Centre. Relâché. Personne n'est là pour reprendre ce ballon. Le gardien était là pour ce centre, mais ils avaient relâché le ballon. Oui. Come on, baby. Ça se précise. What we shall watch. Ça va, Jacques? Il y a du miel. 0-0-0-0. Wow. Les champions, c'est parfois bon, mais pas toujours à fond. Les champions, remuons-nous le fion. Allons, les gars. Vous êtes francs. Vous êtes sûr? Oh putain, vous l'avez fait saigner de la bouche. Jingle, vous l'avez fait saigner de la bouche avec votre chanson. On range le groupe au placard, merci les gars. On se dit au revoir. Les champions. Les champions. Au revoir. Et là, on cherchait Tupai. Mais Tupai, il est en train de finir la ligne blanche du coin de corner. Il arrive. C'était un peu juste. Mais il a eu du nez sur ce coup-là. Avec une bonne balle de balle, Lyonnais. Oh là là, il l'a embrassé, il l'a touché. Il l'a. Oh oui. Oh, quelle visite, oui. Oh, c'est beau ce qui s'est passé, Jacques. Là, regarde. Merci. Il va l'embrasser. Ben voilà. Là, de Lopez 4, hein, face à ce tir de Messi. Tout de même, il a arrêté une frappe de Messi, tu vois, moi les gants je les change plus. Non, je les garde. Ah oui, bravo. C'est ton pas. Bravo, 65 minutes de jeu, autrement dit, il n'en reste que 25 dans cette confrontation entre les deux équipes, toujours 0-0, bien évidemment. Ça n'avance pas le score, effectivement, de rajouter les minutes qui s'égrènent. Je suis la plupart du temps pris. Vous n'avez rien demandé, monsieur, et donc c'est pas la peine de venir nous dire que vous n'êtes pas disponible. Je pense que c'est le temps qui a répondu. Le temps est pris. Merci, monsieur. Excellent. Temps. Touche avec moi. Qui, à mon sens, permet de jeter le trouble. Absolument, monsieur. Effectivement, voyons, Jacques, redis-nous-le. Au revoir. Ça jette un trouble. Touche avec moi. Mujica, voilà, Jacques, voilà, Sportage 880, et voilà ce match qui a du mal à vivre. Avec le grandissimo Lionel Messi, Lionel. Ici, qui sont là. Le coño. Dangerous. Il avait réussi à reprendre ses ballons à centrer, mais là. Il n'a rien pu faire, accordons-nous sur cette affaire. 0-0. 0-0. Pas de but, pas de goal. 0-0. Des actions qui s'affolent. 0-0. Pas de jeu, pas de rêve. 0-0.
pas de guibol, pas de football. Les champions 0-0-0-0 0-0 Ligue des champions 0-0-0. Et changement côté Lyonnais, ça va changer. On fait entrer un joueur frais du moment qu'il est vrai. One, two, three, four. Je le supporterai. Le club Ligue des champions. Ligue des champions. Et toujours donc 0-0 entre ces deux formations que sont le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est un match aller qui présuppose qui s'excite, d'autant s'excite. Plus un match retour. Oui, mais qui s'excite, ça y est, qui prend une dimension un petit peu Ligue des Champions. Ça y est, on sent qu'il y a quand même une espèce d'adrénaline qui monte dans cette fin de partie. C'est bon, hein, le mot de passe a été rentré dans la deuxième mi-temps. C'est beaucoup plus fluide depuis, l'algorithme fonctionne mieux dans le jeu. Le data system foot, bien sûr, technologie, Ligue des Champions. Merci Jacques. Ne se réduit pas à une pure négativité. Il y a absolument. Alors, vous avez entendu, Jacques l'a dit avant, et monsieur le confirme, c'est très bien. Pour l'instant, nous sommes dans un très bon moment. Chiffre, ça a du bon. De cette émission. Bien sûr. Je sentais une excitation incroyable. Et oui, l'excitation, mais 0-0. Ouais, déception quand même, côté catalan. Match vierge nul. Avec quelques petites pigmentations. Une colorisation assez faible. Quelques crêtes, mais rien de plus. Quelques résidus de son. Analyse à chaud sportase. Les parasites se sont éloignés. 880 se termine. Ainsi. Nous vous disons. Ainsi, au revoir. Ainsi, madame. Ainsi, mademoiselle. Hey. Ainsi. Madame. Monsieur. En tout cas, à l'époque, bon. Ah non, Jean-Louis, pas de but, pas d'interview. C'est le tarif. Sportaz. Remember. 8-8-0. Léon Barcelone. Ça n'a pas fait les tonnes. Huitième de finale aller de la Ligue des Champions à jeudi.